feel like a monster. Eh bien, yo tout le monde, c'est Galaxy et on se retrouve pour Pokémon Silver Shadow Random Nuzlocke. Et la dernière fois, on a capturé notre Voltali. Du coup, Voltali, regardez. Alors, il est niveau 38, ouais, j'ai XP, comme pour les autres en fait. Il a pris de bonnes attaques, il a toujours tonnerre, croc-éclair, et il a appris revenant et point d'art. Bon, c'est des attaques physiques, en soit. Mais, c'est pas dérangeant hein, d'avoir revenant quand même. Bon, sur ce, voilà. Après, sinon les autres ne sont pas changés. Et on va... J'ai quand même Bastiodon en première position, du coup... du coup, faut aller par là. Allez, point d'exclamation. Mon nom est Eusine, je poursuis un Pokémon appelé Suicune. Et toi, comment t'appelles-tu? Cid? Ravi de te connaître. Je suis venu ici parce qu'on m'a dit que Suicune est apparu. Regarde à travers le trou du plancher à l'étage en dessous. Eh oui, tu l'as vu, tu les as vus tous les trois. Quand on descend, ils s'enfuient immédiatement en courant. J'ai tout essayé. Et genre, ils reviennent en fait. Genre, ils sont... Oh, ah, qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette zone en fait? Parce que je m'en souviens, quand j'ai XP les autres Poké... il y avait les Simiabras là où j'ai le soporifique, il y avait des Simiabras et il y avait autre chose encore, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre, mais il y avait des trucs intéressants. Bon, je trouve, mais c'est un soporifique, c'est pas grave. Ouais, salaud. Ouais, salaud. Oh, c'est toi. Laisse-moi deviner, tu voulais te la jouer en attrapant les Pokémon légendaires. N'y pense même pas. Toi, contente-toi des trucs à tout niveau, comme devenir un sbire de Team Rocket. Et tu te crois drôle, hein? Ouais, c'est pas moi qui m'appelle Westalord. Alors, on va pas l'accélérer. Ouais. Alors, extra senseur, non, fumigraine. Voilà. Ammonistor. Sort, hein. Parfait, Gribouille. Oh, est-ce que j'apprends Gribouille pour... Oh, ça vaut pas le coup sur un random. Enfin, non, je sais pas. Enfin, c'est Muriel en vrai. Attendez, qu'est-ce que je peux oublier? Amnésie. Je vais pas l'apprendre, Gribouille. Hein. Ça aurait été, par exemple, Voltali qui aurait pu apprendre Gribouille. Là, ça aurait été plus intéressant. Ou alors un truc comme ça, mais pour Muriel, en fait, non, je vais pas l'apprendre. Je vais pas l'apprendre. Aquali. Ah, mais attends, mais il va se faire toute la team, Fumigraine. Ah, Lance Lame. Ok. Parti. Oh, il a résisté. Ouais, la vitesse. Dans Slam. Bon, bah, si t'attaques pas aussi, hein. Allez, un peu plus de challenge. Voilà. C'est bon. Allez, pas Chérizou. Niveau 28. Oh, ouais, mais ils sont pas puissants. Mais genre, attendez, le champion d'arène de tout Ponville était niveau 30 et quelques. Et lui, il est niveau 28. Il est nul. Il est nul. Méga Sensu. Ah. Ouais. Franchement. Ah ouais, d'accord, ouais, donc t'es comme ça. Bon, attends, on va changer. On va mettre Atlas. Voilà, c'est bon. Reflet. Ah! Oh, mais on va l'avoir. Mastos, c'est bon. Allez, c'est fini. Voilà! Super. Salut, Pachérizou. On a battu Wessalor.
Hop, on va accélérer. Je suis désolé hein, de couper à chaque fois. Mais bon. C'est à cause de la rhum, voilà. Bah, fais comme tu veux. Tu n'as aucune chance de capturer les Pokémon de toute façon. J'ai jamais dit que je voulais capturer. Et Célesta, mais qu'est-ce que tu veux? Mais on s'en fout, en fait. On s'en fout de Célesta. On en a foutu. Ah, il y a un dresseur là-haut. On va le faire après. Raikou, Entei et Swakon. Bon, ils sont un peu excités quand même. Hein. Tu as vu ça? Sukune a jailli juste devant mes yeux? Non, c'est devant mes yeux, pas les tiens. Ça fait plus de 10 ans que je cours après lui et c'est la première fois que je le vois d'aussi près. Quelle joie! 10 ans? Mais mec, t'avais pas autre chose à faire dans ta vie? Sérieux? En tout cas, il faut reconnaître que Sukune semblait visiblement intrigué par toi. Les Pokémon légendaires de Roselia ne s'approchent que des humains dont ils ont des cellules à force. Du coup, il va toujours continuer à poursuivre Sukune. C'est quand même triste parce qu'à la fin, il l'aura pas quoi. Bon. Est-ce qu'il est blessé mon. Non, en fait, il a rien foutu. Il a rien fait à mes Poké. Allez. Ne t'inquiète pas, nous les crash-feux, on connaît mieux que quiconque les dangers du feu d'un coup. Tu verras bien. Bon, Papy Lord, c'est sûr avec ça, le danger du feu. On s'en bat un peu les couilles. Allez, extra ascenseur. Ah, roulade. C'est vrai qu'un Pokémon Roche Acier. Alors, attends. Des fumigraines. Alors là, c'est trop facile. Ah, Léviator. Ah. VG Attack. Que dalle. Voilà, avoir un Pokémon défensif comme ça, c'est chaud. Encore VG Attack. Mais qu'est-ce qui sort de lui? Encore on a un Pokémon défensif comme ça. Encore, hein. Voilà. J'ai même pas besoin de l'XP autant en fait, mais c'est bon. C'est vrai qu'offensivement il est vraiment dégueulasse. Bon, faut bien un des avantages. Morceau étoile, ah oh, génial, je le la vente. À toi, bah tiens. Je m'entraîne à cracher du feu dans la tour cendrée. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Eh ouais, comme le catch, ne faites pas ça chez vous. Boule de neige. Bon, bah, extra sorcière. Ok. Coup critique. Ah bah tiens, ça fait longtemps que ça ne va pas. Arrivé rancune. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, je me disais, je savais plus ça faisait quoi. De toute façon, pour un titre, on s'en bat les couilles. Bon, bah, on va sortir de là si les Pokémon veulent. Morpheo, oh, purée. Ouais. J'aurais eu ça à la place de Voltali, j'aurais pleuré. Mais j'aurais pleuré ça un peu salement quand même. Fais chier ces bouts de bois là. Ouais non, il y a là. Ah oui, il faut 4 rocs. Faut que je récupère 4 rocs, tiens. Il a piège, mais bon. Ah. Bien. Donc, du coup c'est bon, on sort de là. Ah, il faut récupérer 4 rocs. Il était là lui au début. Il y a bien longtemps, la tour prit feu et 3 Pokémon inconnus périrent des flammes. Un Pokémon aux couleurs de l'arc-en-ciel descendit des nuées de l'air et les ressuscita. Les gens de la ville se mirent à craindre la puissance des Pokémon et décidèrent de les attaquer. Mais ces derniers, mais on s'en fout en fait, non, on s'en fout. Ta gueule! Il était champion lui! Qu'est-ce que tu veux prouver? Bon, on va arrêter de mettre Bastiodon en première position vu qu'il est archi puissant. Il tient un objet? Ah oui, le. Ah bah oui, bah oui, il a cherché un miel. Mais le miel dans cette version, ça sert à rien. Il me semble que ça sert à rien dans cette version. Oh, regarde, il est trop beau! Il est trop beau! Ah oh, putain. Ah j'ai trop bon de temps, Voltali. Ah ouais.
Ah mais il meurt, j'arrête le let's play. C'est fini. Le challenge, c'est terminé. Après, je suis pas fan de Voltali Shiny, c'est vrai. Shiny, il est moche, en fait. Il est tellement beau comme ça. Franchement, il est beau, Voltali. Vous pouvez pas dire le contraire, quand même. Bon, ouais. Allez. Ah oui, c'est vrai que là, ça bug, on voit tout. Bon, on s'en fout, de toute façon. De toute façon, voilà. Hein. De toute façon, dans tous les cas, on va arriver au champ. Donc, peux-tu afficher des dégâts à nos Pokémon? Eh bah oui, 5 Poké! Bon, le tonnerre. Voilà. Canard Tichot, tonnerre. Trop facile. Kalinos. Ouais, ils sont pas forts en fait. Hein. Ouais, bon, ouais. Deoxys! Allez! Je suis trop fort! Givrali! Ouais, c'est parce qu'elle a 5 Poké, c'est pour ça que c'est au niveau 26, je pense. Mais si je tombe sur quelqu'un qui a un seul Poké. Oh, comme si c'était utile! ouais, à ton tour. Ah, ça te fait peur, le seul invisible, hein? Tu n'as plus qu'à me battre et je te file un conseil. En vrai, je tombe, je meurs, en vrai. Alors, confort. Ah, bah voilà, niveau 3, ça, c'est déjà un peu plus. Ouais, ça va. Ouais, ça va. C'est bon, j'ai un niveau assez équitable. Luxio, on va faire point d'art. Coup psycho, ouais, coup critique. Ça va, coup critique aussi, t'aurais pu le faire avant, mais ça va, éclair choco. Tiens, c'est quoi ton conseil? Très bien, je vais te dire un truc sur le sol invisible. Le bon chemin est devant nos yeux. Ah bah d'accord, donc en fait, t'es, madame, je te fous de ta gueule. C'est... Ah. J'ai passé tout le printemps avec mon Pokémon, et puis aussi l'été, et surtout l'hiver, mais jamais l'automne, c'est... Bref, on y va! Un peu sulfureux! Et voilà! Ah, mais les légendaires dans ce jeu, je les barre d'un coup. Au niveau 32, alors qu'elle a seul Poké, donc ça va, en fait, en gros. Ils seront au niveau 35, je pense. Allez, hop. Je crois que c'est la dernière personne. Je vais gagner. Bah, d'accord. On parie que tu vas pas gagner. Mais wesh, c'est quoi cette arène? Régigigas a l'air tenage. Ok. Très bien. Eh, il est quel type, Régigigas? Tiens, c'est... Je sais pas, en fait, quel type il est. Point comète, il a raté. Oh, putain, il a... Il a pas de bucal, mais il rate son attaque. Ah beau. Bon, on va peut-être pas tenter le diable. Oh mince, je voulais changer. Bon, quoi que, ça one shot. Là, je vais changer, là. Boostiflore. On va pas tenter le diable, là. On va mettre... Atlasama. Ok. Ah, mais j'ai rien contre lui. Encore perdu. Oh bâtard! Le mec à balance! Allez, coup critique! Bon, on va aller soigner nos Poké, je pense. Parce que vu que je crois que c'est la dernière personne. Eh ouais, c'est la dernière personne! Oh, je tombe, je meurs! Ah bah non, en fait. Je sais pas comment ils ont eu l'idée de faire cette arène. Comment ils ont pu avoir cette idée-là? Tu tombes dans le vide, tu reviens au début. Au moment où tu tombes dans le vide, tu meurs. Enfin, ça, c'est ce que je dis.
Mais non! Mais non! Purée, sérieux? Mais non, mais vas-y, sérieux! Bien, nous nous retrouvons face à Mortimer! Mortimer! Est-ce que je laisse. Non, non, on va faire notre technique. Atlas en rapport. De toute façon, ouais, c'est au niveau. Ouais, mais le haut niveau. On va faire la technique Nidoking Jigglypuff. Allez, bienvenue ici à Rosalia. Les Pokémon sont vénérés depuis des temps immémoriaux. Il est dit qu'un Pokémon légendaire apparaîtra face à un dresseur d'exception. Je crois à ce récit. Et dans ce but, je m'entraîne ici depuis ma naissance. C'est ainsi que je peux voir ce que les autres ne voient pas. Je sais qui pourra faire venir le Pokémon de la légende. C'est moi, je suis l'élu. Et toi, tu vas m'aider à m'améliorer, ici et maintenant. Wesh, ça aurait été toi l'élu, ça aurait été depuis longtemps, quoi. Ah oui. Faut rechanger, voilà. Allez, la peau... Ah non. Ah. La poreille. Alors... Bah, corps perdu, hein. Abri... D'accord. Le mec est rentré. Ok, pas perdu. Allez, salut Mikao. Critique. Ouais, sous niveau 33, donc ça va, c'est bon, j'ai pas un niveau plus abusé que ça. De toute façon, ça m'évitera de faire des. De l'XP en off, comme ça, c'est bon, ça me fera gagner du temps. Par contre, Capturne, j'ai rien contre lui. Ah, si, les ténèbres. Ça va être x1 du coup. Ah non, même pas. Ah bah non, oui, non, je vais être planté. Ouais, non, oui, d'accord. Les plantes ténèbres. Donc la Volvie. Pour l'instant, Atlas fait tout le taf. Il est niveau... Ah, c'est niveau 35, je crois que c'est son meilleur. Niveau 35. Ah non, Sommaire est niveau 37, bah voilà, on a le même niveau en vrai, hein, finalement. Alors, Jigglypuff, ah, ma chouille. Oula, ça lag, ça lag, ça lag, ça lag. Ça lag, oh ouais. On va faire une attaque stab, hein, ça sera mieux. Alors par contre là, ouais, Mastos, non, pour l'échouer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la mâchouille. Je vais pas mettre Noé, non. On va mettre Noé. Ouais, hey, quand même. Hein. Alors, Aqua Jet. Ouais, il tient de ouf, c'est un peu de fou. Ouais, ah, le Capidextre, il est pas simple, hein. Alors, attends, on contrôle tout, on va faire tranche, voilà. Oh, le lag. Ok, on va faire appel soin. Oh, s'il fait un coup critique, c'est la merde. Ok. Voilà, plus le reste. Voilà, on est bien. Allez, maintenant on va faire Electoc. Ok, Electac. Allez, on t'a battu, mon gars. Oh, Capitaine, c'était pas simple. Pourquoi il reste un? Pourquoi il reste un Poké? Simiabra. Bon, lui, ça va être simple, on va faire un Aqua Jet. Il a onde vide. C'est marrant parce que il y avait des Simiabras dans la zone d'avant. C'est comme si, ouais, je suis resté là, j'avais un Simiabras, je l'ai capturé, je l'ai entraîné là où.
On va faire appel soin, j'ai pas confiance. Ça fait perdre du temps, mais... Frère, vas-y, le lag, quoi. Ah, mais je sais pourquoi ça lag. Attendez. C'était vraiment lagué, normalement. Normalement. Du coup, tac. Ouais, Aqua Jet. Ah non, bah non, ça lag toujours. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on a gagné. On va réaccélérer. Voilà. Et voilà, bon, quatrième badge. Mais ça va, mais au moins, en vrai, on avait le niveau, quoi. C'était pas... Il n'y avait pas beaucoup d'écart, c'était les autres dresseurs qui étaient nuls, quoi. Bon, bah voilà. Je n'aurais jamais dû perdre. Pourtant, toi, tu as quelque chose qui... Voilà, tu as le hype. Tu es beau gosse, tu as le truc. Tout est clair, reçois ce badge de mes mains. Parce que de tes pieds, ça va être compliqué. Ah, le badge. Voilà. Grâce à ce badge brume, tu pourras te faire obéir de tous les Pokémon et que tu auras reçu jusqu'au niveau 50. Ouais, bon, c'est bon. Allez. Reçois cette OCT. Non, c'est des vrais, un truc comme ça. Non, c'est pas possible. C'est Balombre. Ouais. Balombre, du coup. On va voir. On va checker c'est quoi. Hein. Alors. Atterrissage. Ok. Pourquoi pas. On va tomber. Oh mon dieu. Ah, je suis encore vivant. Tu lui dis quoi toi. Ouais, on n'a pas parlé au début. Ça va, c'est la première fois que je fais ça. Waouh, si bien joué. J'avais tellement peur que j'étais planqué dans un coin. T'avais peur de quoi. T'avais peur d'un lapin, ma gueule. Alors du coup on a une zone à gauche. Bah oui, une nouvelle zone à gauche. On va faire la zone. Puis voilà. Ah mais non. On a un truc à faire avant, bien sûr. Faut récupérer Surf. Hey, ça suffit ces trucs marrants, ces trucs nouveaux là. Je veux du Tamur. D'accord. Ne pouvez pas cesser César et César à cette exhortation. Oh la meuf. Quoi? On veut pas faire plaisir aux clients? Il faut te faire un dessin, je vais te montrer moi. Wahahaha! Et je tourne. Alors là il tourne moins vite là. On va mettre Noé en première position. Ah, ah. Une fois là. Et c'est parti! Allez! Qu'est-ce que tu veux? T'es là pour me pourrir mon groove! Mec, tu fais partie de la Team Rocket, t'es un voleur en fait. Oh putain, métamorphe, mais vas-y. Mais il est tard, mon gars! Le mec, il a pas le temps. Allez, salut! Bon, ok! Je suis pas un monstre non plus. Ça va pas le faire. Si on découvre que je suis là, glandé alors qu'on a un super plan en route. Je vais redevenir le sbire d'un sbire. La victoire réside dans la fuite parfois. Ouais, bon. Tu t'appelles Sid? C'est bien cela? Ta victoire fut éclatante. La manière dont tu as élevé tes Pokémon avec douceur et fermeté à la fois est exceptionnelle. Et non, point douter, tu es. Oublie ces derniers mots. Ce ne sont que. Non. Non, je suis l'élu, voilà. Incroyable! Bellissimo! Malgré ton âge, tu as du courage à revendre. Tiens, pour exprimer ma gratitude, je te donne ça. Surf! Ouais! Pour surfer! Ouais. Bien. On va se faire la nouvelle zone du coup. On va se faire la zone. Et puis on va s'arrêter là. Voilà. On va faire ça. Ah là là là. Ah là 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 là. Allez. Pokémon de la zone. Là c'est un. Ah ouais, alors là, ouais, Onyx, ouais, non. Bah non, Onyx, non. Bon.
J'ai rien pour l'affaiblir en plus. Ah, c'est la Super Bowl, hein. Oh, ça va être chaud, Onyx. Ah ouais, ça va être chaud de... Wow! Genre, du tout m'empoisonne. Onyx, ça va être chaud à le capturer comme ça. Mais comment ça m'a empoisonné? Il m'a fait quoi, pour... Ah, bon, non. On va essayer de l'affaiblir. J'ai forcé mes attaques pour l'affaiblir. Attends. Il a quoi, lui? Pouvoir en kick. En vrai, lui, c'est celle qui pourra pas... Ouais, je pourrais lui... Ouais, je pense que c'est lui que je vais envoyer. Alors, j'ai... Non, il y a que Muriel. Ouais, on va... Muriel, ouais, on va l'envoyer. Alors, pouvoir en kick. Eh ouais, bah, c'est génial. Oh, genre, j'ai le boost. C'est dans ce genre de truc que j'ai toujours les boosts, en fait. J'ai jamais le boost en combat. Allez, Super Bowl. Mais non, mais vas-y. Ouais, j'étais un Onyx, hein, crois pas que t'es un Dialga non plus. Mais wesh! Allez là, rentre! Tu veux pas rentrer, je vais te faire rentrer moi, tu vois. Mec, mais le Onyx, il sait plus pour qui là? C'est plus pour un Dialga, un Palka. C'est quoi ce légendaire Onyx là? Eh, le Onyx, il veut pas rentrer là. Ah bah voilà! Onyx! On va l'appeler Pierre, voilà. Ça, c'est réglé. Voilà, au moins, je manquerai pas d'originalité dans ce let's play. C'est bien. C'est cool. Pierre, voilà. Alors, Pierre. Tiens, un objet. Et tiens, une CT, tiens. On va la prendre déjà, la CT 20. On est d'accord, là, c'est la CT 20. Alors... Il a fait garde, empêche des problèmes de statue au soleil. Bon. Pas top. Une baisse des défenses, une hausse des défenses P, c'est pas top non plus. Il a guillotine. Ok. J'aurais peut-être pu perdre un de mes poignets. Purée de poids et assurance. D'accord. Bon, il est pas fou non plus. Et on va checker la CT. Entrave. Super Onyx, merci pour cette CT. Et puis on va s'arrêter là pour cet épisode. Oh, le poison, là, calme-toi. Hein. De toute façon, on meurt pas du poison. Enfin, je crois. Bon, attention, ça compte pas. Du coup, on va s'arrêter là. J'ai déposé le Onyx au PC. De toute façon, je pense qu'on ne l'utilisera jamais. C'est vraiment dans la merde. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ouais, j'ai pas de Pokémon derrière. Ah oui, Wellard n'y rentre pas. Enfin, Wellard n'est pas autorisé à rentrer dans un bâtiment. C'est n'importe quoi. Bref, ouais, n'hésitez pas à aimer ou à commenter. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, bah, en déposant ça, je vous dis ciao. Bye les gens.